Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire juste en dessous. Ça ne vous coûtera rien et vous serez au courant de toutes mes vidéos. Et surtout, ça encourage à continuer. On se retrouve aujourd'hui pour parler beauté et pour parler de la Beautiful Box de décembre. Alors je sais, ça fait deux vidéos à la suite où je vous parle de la Beautiful Box, mais j'étais tellement en retard la dernière fois que du coup cette fois-ci, je m'y prends de bonne heure pour vous montrer le contenu. Et surtout, restez connectés car il y aura un joli concours sur Instagram. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous mets ça quelque part par ici ou par là, je ne sais plus où. C'est la bulle de Delphine aussi, c'est comme YouTube, c'est pas plus compliqué que ça. Il y aura une box pour vous à remporter, donc n'hésitez pas à participer. Du coup, comme tous les mois, je vais vous montrer l'intérieur de cette box. Donc comme à chaque fois, ça se présente comme ceci. En fait, vous avez un petit dépliant qui récapitule l'ensemble des produits qu'on va avoir ce mois-ci. C'est une box bien évidemment spéciale faite où on va retrouver de nombreux produits. Comme à chaque fois, on a les petites cartes de jeu, voilà, comme ceci, qui vous détaillent derrière comment utiliser les produits, où vous pouvez les retrouver. Et voilà, c'est plutôt sympa et ça vous fait un jeu de cartes à la fin, donc ça c'est plutôt cool. Premier produit, du coup, c'est un soin visage de la marque Clairejoie. Donc de la marque Clairejoie, soin visage bio, la crème rêvée des Vainées au frangipanier. Ça sent les îles, ça sent juste trop trop bon. J'adore l'odeur, donc ça c'est chouette parce que c'est une marque déjà que je ne connais pas et en plus avec une senteur qui fait voyager, donc j'adore. Si je prends les petites cartes, du coup, donc c'est une crème qui est vendue au prix de 35 €. Ici on a un 50 ml et vous avez pareil un petit code promo si vous voulez la retrouver après. Il conseille de l'utiliser le matin. Ça c'est chouette, franchement c'est un super produit, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Deuxième produit, c'est un soin nuit sous forme d'huile de la marque Kos, nourrissant et réparateur pour les cheveux. Ça c'est super, par contre le packaging une fois de plus est assez lourd vu que c'est du verre. Ça se présente sous forme de pipette, je pense que vous allez voir comme ça. Et c'est censé donner brillance et volume à vos cheveux. Ça j'adore, moi j'aime bien faire poser toute la nuit l'huile. C'est pas une huile grasse, hein, c'est une huile sèche. Toute la nuit, donc, toute la nuit, je répète trois fois, toute la nuit l'huile pour avoir les cheveux les plus doux le matin. Et en général je mets un masque avec ou alors de l'huile de coco, je trouve que ça marche plutôt bien. Du coup c'est une huile qui est vendue au prix de 49 € les 30 ml. Donc vous voyez les deux produits, on est déjà à 75 €. Et pareil, il y a un petit code promo sur la petite carte si ça vous intéresse. Il conseille de l'utiliser une fois par semaine avant le coucher. Troisième produit, et là je suis ravie, c'est un produit de la marque Baija. C'est une marque que j'adore et que j'utilise régulièrement quand je vais me faire les ongles. Là ça fait quelques temps que je n'y suis pas allée parce que je fais une pause. Mais du coup c'est toujours la crème qu'ils nous mettent à la fin pour faire un petit massage des mains. C'est juste trop chouette. Et là c'est Cédra Passion. Je crois que je connais pas cette senteur là. Ah bah il est pas ouvert. Mais du coup c'est un super produit. C'est une super marque qui fait vraiment des très belles choses. Là on a 75 ml du coup. Et c'est un produit qui est vendu au prix de 13,90 € les 75 ml. Donc ça c'est super sympa, c'est une super marque, franchement aucun souci. Ensuite on a un gommage pureté douceur de la marque Amy. Je crois que c'est une marque qu'on a déjà eu dans cette box là, c'est une marque qui me parle. Donc gommage pour le visage, ça c'est top, je n'en avais plus en plus. Donc ça c'est génial, après la marque je ne la connais pas, donc à tester. Au niveau du prix on est sur 29 € les 50 ml. Donc là encore, c'est super d'avoir ça dans la box. Et enfin, on a une encre à lèvres de la marque DWTN. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Dans une couleur un peu bois de rose foncé. Enfin, je ne sais pas trop comment vous dire. Ça m'a l'air assez métallisé. Je ne vais pas faire de swatch parce que j'ai un pull blanc et j'aurais peur de le tacher. Mais du coup, c'est vendu au prix de 20 € les 7 ml. Donc à voir. Après, les encres à lèvres, en général, moi ça m'assèche énormément les lèvres. Donc je ne suis pas sûre, après il y a un petit reflet, enfin je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit reflet un peu métallisé qui peut être très simple. A l'occasion des fêtes, Beautiful Box nous a fait une petite pochette pour ranger tous nos produits. C'est un petit cadeau en plus qui est plutôt sympathique. Donc du coup, contenu de la box. Voici tous les produits qui étaient dedans. Gros coup de cœur pour la crème Baija, franchement ça j'adore. Et aussi la crème pour le visage qui sent le frangipanier.
C'est juste l'odeur qui est envoûtante. J'espère que ma peau va bien réagir. Mais je trouve que la box est vraiment top ce mois-ci. On a vraiment un panel de produits qui fonctionnent bien sur le marché, autant pour le visage, les cheveux, les lèvres et le corps. Donc c'est plutôt une box qui est plutôt très réussie. En tout cas, moi je la valide. J'ai juste hâte de tester tous ces produits-là. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu juste en dessous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si les produits vous intéressent. Et sinon, bah, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. A bientôt, ciao !